Nous sommes ici au Gymnich de la présidence française de l'Union européenne que j'ai en partie organisé avec mes collaborateurs. La réunion informelle des ministres des Affaires étrangères combine généralement des thèmes de l'actualité internationale et des thèmes sur lesquels les ministres doivent avoir une réflexion un peu plus stratégique. Donc pour ce Gymnich de Brest, il y a trois thèmes de discussion. Le premier, c'est la boussole stratégique, qui est un document stratégique adopté par l'ensemble des États membres de l'Union européenne et qui fixe le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense pour la prochaine décennie. Le second thème, c'est la sécurité du voisinage oriental de l'Union européenne et les relations de l'Union européenne avec la Russie. Le troisième thème, ce sont les relations entre l'Union européenne et la Chine. Le tout dernier exercice qui clôturera cette réunion informelle, c'est un déjeuner. Et ce déjeuner, nous allons le consacrer aux relations entre l'Union européenne et l'Union africaine, notamment dans la perspective de préparer le sommet Union européenne-Union africaine qui aura lieu sous présidence française les 17 et 18 février.